Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti cuite. Phénomène dans 12 derniers mois, c'est plus que 12 derniers mois, c'est compatriotes haïtiens, jeunes filles et jeunes garçons qui, par centaines, chaque jour, à brouté quitter le pays, notamment dans le pays Chili. Et le phénomène est visible, la presse est éco et, et, e à ça, il y dans l'Aéroport international tout cette ouverture-là, dans des de situations, dans des de conditions, puis on e, e, a vu qu'il était extrêmement difficile, il y traversé dans, ça n'est pas l'Aéroport, mais c'est l'Aéroport qui est malaria. mais ce n'est pas que la situation est améliorée, ce n'est pas que la situation est améliorée, bon, mais il y a une amélioration qui e, fait faite dans les conditions qu'on a Haïti, pour aller chez lui. Et au cas j'ai un coup d'œil pour regarder qui e, qui parle et bien qui ces jeunes garçons avec jeunes filles qui parlent. Mais les arrivé chili comment la situation Intégration, comment lire Barrières comment ils arrivent fait face à lui-même. Et là par l'autre situation qui parle plus compliquée de la vie compatriotes. Chili, c'est le nouveau président de droite qui m'a Michel Bachelet a ouvert des bras pour l'accueillir accueilli compatriote Nio. Mais maintenant, est-ce que Sébastien Piné a la même politique-là Ce n'est pas sûr, que il -il et qu'il n'a pas gagné la même politique émigratoire par rapport à Michel Bachelet. En soi, pour nous aborder tout ça, nous sommes ensemble avec nous, nous, jeune garçon, qui décident d'être et comme objectif pour aider compatriote Nio. Intégré les Léorivé Chili. La militée dans une organisation qui est les fondations Interprétat, nous voulons parler de Mackenzie Baptiste. Bonsoir, merci pour passer avec nous ce soir. Et bonsoir M. Geoffroy Alphonse et Robinson Alphonse. Bonsoir à tous les spectateurs et Robinson Geoffroy. Robinson Geoffroy et spectateurs et c'est un plaisir pour nous lancer avec nous pour nous informer nous, nous parler avec nous sur la situation de migration au Chili. Mm -hmm. Que tout haïtien est intéressé qu'on est qui s'est passé nous qui au Chili et que tout haïtien nous qu connaît qui sont à se qu'on est en route à prendre décision pour immigrer pour aller au Chili. Fondation interprétateur qui s'allie, ça le fait. Fondation Interprétation, Fondation qui crée un objectif pour permettre l'inclusion migrée au plus facile, qui est composée de trois chiliens qui se Ignacio Lodiola et Jocelyne Gattica, avec Thomas Lawrence et puis moi-même, Mackenzie Jean-Baptiste. Et que nous avons ouvert une fondation, moyen pour nous faire connaître qui nous a sur ce marché-là, socialement parlant, pour aider l'immigration au Chili. Parce que si on n'est pas en charge de l'immigration, on va être en chaos pour eux. Et donc, nous avons mis en marche une application qui est relativement E aplikasyon ki re le tezen sou aplikasyon ki pemet ke yon a yise kabou ajo chili. Ka jen tout informasyon de chili men kreol. Nan aplikasyon re le tezen, yon ka sou app Play Store apjen ni. E nou gen Facebook live tezen tou. Se yon fasyon pou nou ka informe a yisen yo sou lang lan. Paske lang lan se pou emi problematik la. E pou nou ka pemet yo integri yo pi bin nan chili. Nou palge pou nan abode tout sa, Jean-Baptiste. Mètenan, ou mèm, wavivon a iti ou bin chili? Moi, je vis au Chili actuellement. Là, ma font, on maîtrise en maîtrise en études internationales, dans l'université Santiago de Chili. Et donc, j'ai terminé. Qui l'as allé? Qui l'as en 2016. Ça, les à peu près un an, trois mois, Chili. c'est non vague et non pas lié au temps du C'est bien. Oui, oui, a même flux migratoire qui est, comme okay. quand, comme et okay. même tel avec un objectif bien déterminé qui c'était aller à la ma, en maîtrise. Et je, je continuer à faire maîtriser. là. Qu'est-ce ont fait maîtrise là Études internationales. Okay. C'est un master qui peut mettre comprendre les relations internationales, qui peut mettre comprendre l'économie internationale, géopolitique avec migration internationale. Pour qu'il mm -hmm. ait une base académiquement, pour qu'il entrer dans le débat mondial. Mm -hmm. à nous, on nous fait un travail qui est plutôt pédagogique pour comprendre de Haïti, ou qui votre côté de la Haïti, pour les prendre un avion. Pour la Chili, comment traverser avant de arriver dans l'intégration? Bon, et traverser c'est si on traverser. Autrement dit, autrement dit, on se Jean-Baptiste, si on capte de la besoin al Chili, ou bien qui prend le Chili, bien entendu, qui ça le doit faire, qui ça l'a fait? A la base. Avant pour nous la question, from rectifie rectifier comme ça. Objectif, -moi en Haïti, objectif, -moi dans la Fondation Interprète avec Thésée, ce n'est pas fonds pour pas. promotion pour la migration. Absolument pas. Ce n'est pas une dire pour Aller ou bien pas aller. Parce que la migration, c'est un droit fondamental. Mais par contre. Mais vous avez un droit à décider d'aller. Vous avez un droit décider d'aller, par contre, vous avez un droit à accéder à l'information. Ça m'a fait là, c'est juste informer de ce que vous qu'on ne met pas à dire Aller ou bien pas aller. Ce n'est pas droit, ce n'est pas droit. Pièce, vous avez une force à aller. Absolument pas, absolument pas. Et bon, et Chili, c'est un pays qui est économiquement stable. Et depuis après et Pinochet, jusqu'à gouvernement bachelier et gouvernement piné, là, pas très bientôt en masse là. Et pour aller au Chili, nécessairement, les Haïtiens ont aller son statut touriste. Ça veut mm -hmm. dire Haïtien pas besoin de visa depuis le pays pour aller au Chili. Donc ça, il besoin, il besoin seulement pour gagner une réservation hôtel, pour gagner un espace et puis, pour avoir un contrat de travail, des fois, un contrat de travail avec quelqu'un jeune ou quelqu'un pas jeune, avant ça, pour le 1 000 de la vie. Le pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Pour le 1 000 américain qui sont 1 000 proches. 1 000 ça, c'est obligatoire. 1 000 ça, c'est obligatoire. Oui, parce que c'est obligatoire, parce que lorsqu'il est dans l'aéroport porte de Chili, PDI, qui est la police d'investigation internationale, qu'est-ce que vous poser, vous allez dire, combien de jours vous allez faire chez lui Combien de vous voter Qui est chez lui

Je me est-ce qu'elle veut connaître ce projet une autorisation pour venir à, à Timouna. Elle dit si, elle veut dire oui. Elle mm. dit si elle veut connaître. Elle a violé la loi pour qu'elle fasse la haïti. Donc il y a un peu de gens qui ont fait la haïti, soit que, parce qu'elle n'a pas de balle, soit qu'elle n'a pas respecté les conditions pour entrer okay. voilà, entre chez elle. Mais voilà, elle entre chez elle et ou tout enregistré. Elle entre comme touriste. Elle a comme touriste. Elle a fait la 90 jours pour qu'elle a la fait visa. Ou. Oh, Padran chili ya, okay. e sou jounon kontra ou ka e postule pou jounon viza a kontra. Ou bi sou se etudyon ye, swa ka gen viza depi e Haiti ou bi lorive wad fè postise de viza. Ou bi si antroponoye menmje, paske lorive chili wad fè tout postise de viza sa ou. Donk, e se kon sa sa e. Menon, e, e vizan sa ou ba ou apre 90 dijou a ki, ki vizan liye? E, e pa, e pa ou vizan ou ba ou yo bon pèmi de 90 dijou. Ah, Pase pa okay. gran ekip ki kolè e nan paspob. Se jison papye, pèdi ba ou, e la pespi an 90 dijou. Ki 90 dijou, pouwa chanje statu de turist a e, travayan temporel ou bien rezidant temporel. Koun ya la pouwa lè nan mm. pli kondisyon. Po se sou sa fasil? E bon, po se sou la li fasil d'un pa, li pa fasil d'otre pa.

L'allemand de travail, l'allemand de boursier de travail, le boursier de travail doit visa de travail, hmm. ok L'allemand étranger ou bien le département d'étranger Pour avoir un visa de travail, le département d'étranger doit faire contrat de travail. Wow. Donc, il a la haïtienne, le vietnamais, il va se qui est-ce avant. Des fois, on c'est involontairement qu'on achète un contrat ou bien on ne fait pas de contrat. Mais chez lui, comme son pays qui institutionnalise tout le monde sous contrôle, l'homme ne fait pas contrat, l'homme bon fait contrat, PDI a fait recherche pour voir est-ce que entreprise existé oui. Il y a que l'entreprise a pas existé oui ou même qui t'a déposé de un faux contrat dans un département étranger. Il y a pas répondu Paris pas dit ni sous des faux un faux contrat. On va répondre. On a fait un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans même sans papier. Parce qu'au Paris pour nous, il y a même sous quel comme ça, on a reposté encore avec un bon contrat et pour un travail qu'nya ça cap passer chez lui là Santiago qui est la capitale du pays là qui a 65% de de la, population qui a pile ici concentré là-dedans il a vigne pas il y a vigne il y a e pas grand pile travail On ne va le bail contrat il y a ça faire comment c'est pas dans zone de euro là dans zone de euro comment c'est une des type de travail e mm -hmm. y a dans raisin il y a l'agriculture et pas tout ça que c'est travail pour bail au contrat il y a leur une contrat ça il déposer et dès ça papier ca sorti donc c'est comme ça après on fait premier dépôt ça qu'nya nous ne peux pas postuler pour une résidence définitive. Il mmh. faut retourner sur 1 000 dollars. 1000 000 dollars, c'est pour les autorités chiliennes, de rassurer que okay, pendant une quantité de jours, ils sont capables de manger, capable de louer. C'est pour ça que 1 000 dollars servent. Oui, parce que Chili est un pays néolibéral, un pays très économiste. Depuis que nous avons commencé à payer Chili jusqu'à ce qu'on mourne. Ou il faut y assurer que ou pas commencer déposer ou pas commencer d'y penser dans dans pays parce que l'homme ont un avion sur un avion chilien avion payant pour immédiatement que arrivé ou 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 pour aller louer tout le autre et rester dans hôtel ou bien rester dans auberge ou commencer à payer et puis commencer à manger dans pays à tout ça donc 1000 dollars il est important pour vous gagner parce que s'il pas il va faire l'état chilien et faire comme et puis tout le pas beaucoup monde parce que son pays qui cher en pile Maintenant, comment le processus d'intégration est-il Là, on parle du cadre légal pour que les compatriotes arriver et rentrer légalement dans le système. Là. Et nous, comment le processus est-il avec les questions de contrat de travail là Maintenant, pour vous intégrer dans le système, là, comment ça fait, jean baptiste Bon, l'intégration euh, n'est pas du tout facile pour ici. Pas oublier, et presque seul nous-mêmes, l'Amérique latine et les Caraïbes, là et qui parlait français ou qui parlait créole. Puis il pays, payer, tout pays pays est ce espagnol, c'est parle. Ouais. Et puis nous-mêmes, bah, nous parlons espagnol de base. La majorité dire majorité ne pa, parlent pas langue. Et même si vous arrivez à parler l'anglais, espagnol il la, faut que vous parliez langue adapté avec le Chilien. Parce que le Chilien a une façon de parler l'anglais qui est différente avec le Dominicain, hein, qui est différente avec le hein. Donc, le premier bagage, -la, c'est l'anglais qui a été péché intégré. Men imedyatman moun karvin kon lang nan, li ka komanse etegre, li ka komanse jen travay ou bin, li ka komanse fè des aktivite. Men pa kont, eh, chil nyo depè sou diktatou eh, Pinochet, yo tre ferme. Sa li yo pa ouve, sa li tou karsen tiago lo, wè chouk nan mash rapide. Menm si moun ne bagan ou aktivite ketwal fè wè. E, ou kapman de moun wadè sa, la presebo wadè sa kou kou riali. Yo Rancis? E don baka diyo rasis, baka diyo rasis, nan se sa basi mwen menm boko, tako mwen boko e... Non, se yon rasis wap konen, par eksepe, Brezilyan, tout mwen konen, yon kareman rasis, se konen. Mwen nan, se chini yon rasis, ou men mwen nan sosyete wap konen. Non, tako mwen menm boko wajes rasis yo, men se sa basi mwen konen, e gen de xenofobi. Xenofobi a prel de l'etranjen. Oui. Ta le diyo konen chili, yon pa ton pey ki te adjavek migrasyon wap. E swa so avan 2010 ou bien avan 2008, lè yon Aisyen ki ale chili, yon mayen chevel, lè di patgan pi l'Aisyen. Oui, yon. Yon yon lòv vin nou pey. Yon ba fin kwek yon se moun. Oui, lòv kon nou pey, kwen yon vin gon fli migrasyon. Koman se ap vinisou, ap vinisou,

du tout. Et puis tout, ça vient créer ça aurait les violences horizontales. La violence horizontale là que, et l'élite là mettait en une situation côté Aïssé qui n'a classe en bas avec chili qui n'a classe en bas à la bataille. Parce que les Aïsséens viennent de quartier, vie, viennent de travailler Et pourtant, et pas tellement ça, parce que, bon déplacement de secteur, chili en secteur, pour le secteur africain, qui n'est pas payé, ils commencent à dépasser dans notre secteur. Et puis, le secteur qui était vide, là, il était pour les Haïtiens ou il était pour qui migrants. qui secteur est Haïti plus orienté qu'on a parlé les Brésil c'était surtout dans la construction, surtout pour Chili, quel secteur est plus orienté Pour Chili, naturellement, il n'est pas seul haïtien

dans le marché du travail, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur de l'agriculture, où nous Même si c'est un petit là, Dans le secteur de la construction, où nous travaillons aujourd'hui. Et dans le secteur de l'assainissement. L'assainissement, par exemple, il y a des compagnies, parce que le monde est privatisé. C'est un pays néolibéral. Il y a des compagnies qui, pour faire nettoyage dans les rues, qui pour faire nettoyage dans les trains, dans les métro, des fois, on voit des Haïtiens ou bien d'autres nationalités, qui gen, qui une forme qui cassio, mm -hmm. qui gaine caution qui dans travail assainissement mais il y a d'autres types de travail tout qui c'est travail dans caïmon le travail de caïmon il y a deux types de formes soit mon travaille à porte ouverte ou bien porte fermée porte fermée il dit il dorme dans caïmon là pour travailler ah OK porte Domine ouverte là il dit il travaille tous les jours là la caïe et même mon ça cap travaille dans ce secteur ça soit relais soit réserve là ou bien et il il y a une loi avec le contrat et ils y le droit un salaire minimum. Et ils y le droit aussi faire un pour la porte inspection du travail. Est-ce que ça, le minimum, est respecté obligatoirement Obligatoirement, il est respecté. Combien de ça Sur 270 000 dollars et 70 000 pesos chiliens. Ça fait combien de dollars Qui est valu à 450 dollars et 450 dollars américains. Qui est mois, semaine Pas mois. Pas mois. Pas mois. Donc, ça qui est arrivé, on par pas qu'on droit, on n'a pas qu'on devoir, on n'a pas On au pays-bas. Mais ce qu'on doit parler, c'est que l'inspection du travail on peut pas être pour lui. Et nous parlons de l'entonné, Jean-Baptiste, nous allons regarder Chili en chiffre. Là, je vais hommage à, 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 à Valérie Numa qui, à travers un documentaire réalisé il y a quelques mois de cela, Chili a tout prix qui fait un travail considérable de apprendre monde comment les compatriotes nous y, est, compatriotes nous y est dans le pays Chili. nous de présenter Chili pour nous en chiffre. Deux dernières années, ça y est, comment le flux migratoire là et comment, comme, comme, comment il augmenté. Et en plus, vous parlez ensemble avec nous, s'il vous plaît, Jean-Baptiste, une nouvelle politique qui le monter avec et, et Sébastien Pignera, qui parle pratiquement, c'est pas pratiquement, non, c'est un président de droite et, et lié forcément, il va venir avec une autre politique migratoire. Invitez-nous à ce soir, c'est Mackenzie Jean-Baptiste, dans la fondation Interprétat dans le pays le Chili. Avec lui, on la situation et les compatriotes de Chili. et va vous tout de par les prochaines Merci, parce que toujours, été fidèle à l'émission Haïti et Invitez-nous à Soya, que vous déjà. C'est Mackenson Jean-Baptiste, lycée membre de la Fondation Interprétat qui a milité avec les compatriotes du Chili. Jean-Baptiste, pendant cette pause, il y a un collaborateur qui est dans la a plusieurs questions. Par exemple, comment est-ce que vous Chili, par exemple Bon, les cas par chamecaille, normalement les cas pièces et... et de, met met on mettre ton carbone met On de, carbon, met ton carbone, Et on met ton carbone, des carbones, on en bas. Oui. Normalement, les chamecaille sont de 60 000 pesos à 140 000 pesos. En américain en, et Non, et en non, américain, les de, 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 de 200 à 400 dollars américains. Année, mois, semaine? Pas moi, pas touché. Parce que oui. si on touche 270 000, le... so, a, a 000 personnes, on a les caper en pièces, pour dormir ou bien plusieurs camions. C'est presque moitié salaire lui là? Non, ce n'est pas moitié salaire. Si on est dans 270 000 personnes, on est 60 000 personnes non on peut pas dire de 450 dollars et, et mois mais et, et non du 450 dollars américains par mois pour un salaire minimum ou bien la sim on a trois valeurs payé 60 000 pesos ou 150 000 personnes, qui équivaut de, 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 de à de 50$ de américains et 100 dollars américains jusqu'à 200$ dollars américains par exemple et de côté et, et on a payé 140 140 000 pesos ou 150 000 pesos. Il y a tout dans le monde qui la cuisine. Il y a tout le bagage y a fait partage avec lui. Il oui. n'est oui. pas autonome. Il n'est pas autonome. Maintenant, voyagez l'autre bois En pile. En pile, parce qu'on a Actuellement, là, on a de 500 pesos. Oh. Par exemple, on train, sous le train. Le train, train à 700, 740 pesos. 740 pesos, on a passé en dollar américain. Même on, on s'achète un tour, si on s'achète un 600, 700 personnes, on est en de, de l'Amérique. Et il y a vraiment cher, même pas qui nous paye. Les gens ne sont pas payés. Vous payez paye de l'eau, vous payez de tout Toutes les barrières, vous Et toute pif sont paye, c'est bagarre au pays secteur privé. Ya. Ça veut dire à la base, l'autorité rassurez rassure y a, chaque haïtien qui vit sur ce territoire a, non seulement il rentre avec 1 dollars pour venir dépenser, mais par il y a pratiquement que jeune ne comprends c'est social, et y a faire ensemble avec eux, c'est travail, consommer et puis dépenser oui, you consommer mais des souris je de travaille tout, a accès avec sécurité santé avec avec sécurité et sociale. Par exemple, on minimum y vous cotiser, you ou cotiser. Ou pour, pour on, on couper les soirs et, et même j'ai il y a gen, gen sa, mm -hmm. de santé, La y di, selon niveau de santé, ou être femen, ou bon au mal l'hôpital médicament. Même j'entends ou cotiser pour AF, AFP qui sont fonds de pension pour oui. e, e, pou si le grand monde. Et le grand monde, on a retiré le et pour le grand monde. Mais le problème qui vient passer avec les Haïtiens, c'est que si les Haïtiens viennent vivre dans leur pays, ils vont perdre le était cotisé cotiser après notre travail. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Donc ça a passé au Chili. L'autre gouvernement, l'autre pays, a des accords avec Chili qui permettent aux compatriotes, si ils ne travaillent pas avec Chili, de jouer une faute pension. Par exemple, Bolivie fait ça, Pérou fait ça, l'autre nationalité fait ça. Et c'est l'Aïtien qui peut faire ça. Donc, c'est dans ce sens que nous avons parlé avec l'État ici, c'est tout le ministère des Affaires étrangères, pour t'avoir comment tu as fait un accord avec Chili, m'aider Chili pour que si les compatriotes arrivent, ils finissent un travail, ils veulent jouer de la pension pour la pension par Chili pour aller pense qu'on On n'a pas de pays qui est parce que l'autre pays est encore pour ça, et c'est l'Haïti qui gagner encore pour ça. Ok, ok. Maintenant, présentez pour nous un chiffre de migration, ça, depuis deux dernières années. Ça. Bon, et pour migration haïtienne, on peut penser qu'il plus, pas plus. En 2016, on y a 48 Haïtiens qui sont entrés. Okay. En, en, en 2016 En 2016, de 2017 de 2016 à 2018, ils ont doublé. Actuellement, il y a 104 782 Haïtiens qui entrent au Chili. Mais par contre, il y a une nationalité qui est au Chili, qui est Péouvien, Colombien, Bolivien, Venezuelien et Argentine. Mais Haïtiens sont en 4e position. Les qui sont en première position dans le pays sont Péouvien, Colombien avec Bolivien. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une plus grande peur. Nous avons C'est pour ça que nous ou bien nous actuellement, compatriotes en République Dominicaine, pas arrivé en Chili. Nous avons été par masse, par bande, et par paquette dans la République Dominicaine. Kouniala, nous avons fait un travail, il avons pris un coup de pied en République Dominicaine, nous a fait des déportation de masse, des situations infrahumaines, nous avons pimpé, nous retourner retourné de gré ou de force sur frontières-là. Ça risque d'arriver en Chili? Fok se bon ta djouye ou pa bejou nou anko, e ou pa bejou me dev nou anko, e pi yo kou den nou? Fak moun zon mwen mwen etudyan wik Dominiken, mwen pase 5 an wik Dominiken, mwen etudyan geni industriel, mwen temwen de kek bay ki pase an wik Dominiken. E sa ka pase an wik Dominiken nan le ka diferan de Chili, paske nou menm Haiti avek Chili nou erityan de zyonyon antre Espa et la France. Sa le di nou sou menm fontya, e nou konfliktuen. Et soit fait histoire, histoire mondiale ou après tout pays qui est sous même frontière, toujours un conflit. Oui. Toujours un conflit, et nous connaissons ce qui est passé avec Trujillo et en 1937 qui était fait en, en, en oui. tuer et qui les ça arrive dans la tête haïtien. et nous connaissons ce qui est passé avec Boï en 1821, qui était occupé les là qui était pris en pile des mesures drastiques, ça arrive dans la tête dominicaine. Donc, que l'on veuille ou non, nous ne pouvons pas toujours un bail qui pêcher haïtien et grandir avec les E menm jou te kawe Peña Gomez pa jem te rive prezident. Paske yon te gen orijina isen. Dok son bagay li istorikman poube, poube. E, Dok nou baka tue tet nou. Sa, sa nou ka fe se bat pou nou ka e, mete tet nou ansanm koman nou te non, ka... Non men, pouche li ya, pouche li ya. E lò goun kout kwa travaye, kome tan sa li ye? Pouche li ya, li ka, ka difisil pou sa vin repete. C'est ça qui fait cas difficile parce que l'autorité chiliennes avec des organisations prennent des dispositions pour mettre les haïtiens dans moule que vous voulez à les haïtiens de la façon que vous voulez Parce que haïtiens, les voyages mi les voyages, voyagent avec culture, ils voyagent avec loi. Il y a longtemps Chili folk ou adapte aux lois avec culture chilienne. Non pas du point culturel. C'est dans ce sens qu'on prête que des institutions qui même traduisent des processus légaux en créole. yo menm tradu e de lwa de konstitisyon an kreyol ki pou pwemet haisyen kon nou lwal pou respekte lwal men si chile rive yon integrasyon rive kon yon pafet integrasyon m bakwe sak rive antre Repu Dominiken nan avek e e Haiti ap pase paske nou son joun diaspora ou chile mm. sa nou ka dil, nou ka ba yon repou sa pou an 20 an pou nou e ki reaksyon sa pafet paske ch pa bli e chile aktwèlman la moun ki gen 65 an yo an 2020 Plus de qui ont 65 ans que de 15 ans. La population ah, chilienne a commencé à vieillir. Et il y a un taux de natalité de 1,75. Yeah, mesdames et mesdames, il pas presque pas fait petit. Donc, en population, à vieille, en population, pas pour les Donc, ça vient rendre compte qu'il n'y a pas de problème. Il y a besoin d'habitation, puis de remplacer les œufs, puis remplacer les services. Il y a besoin d'œuvres là. Il y a besoin d'œuvres là. Et puis, il y a des méthodes dans forme que veut. voulez à pour même pour pas venir à choc culturel, pour pas et comme on dit, déstabiliser le pays socialement et politiquement. Parce qu'il y a même un pays très institutionnalisé, puis il y a un pays qui est très balancé, équilibré et durable. Il y a un journaliste euh, euh, chilien qui t a fait un reportage sur Haïti pour que est venu dans le pays, il a montré des images dégradantes du pays. Ce n'est pas éventuel, l'image existe vraiment, dans quelle situation on a etc. Et, et, et tout est gagné, il y a d'autres compatriotes Haïti qui des, 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 des les haïtiens qui ont lancé des appels pour demander aux autorités haïtiennes ce qu'ils n'ont pas fait. Ils sont venus pour images qui a passé dans la télévision chilienne de Haïti. C'est vrai pour l'image qu'on... Bon, c'est c'est bon façon de au... nous, je suis bien nous la kayo. Bon, et au Chili, la presse, par contre, c'est différent de la presse haïtienne. Au Chili, la presse est très émotionnelle. Et chaque bagaille, fait, elle a un objectif latent et un objectif clair. Et donc, Sol et Letton, qui qu qu fait à Saïti, Haïti ai journaliste là, et ils disent comme ça qu'il peut présenter un bagaille positif de Haïti. Parce que lui était même passé dans l'ambassade d'Haïti-Chili, il était montré le projet, et l'ambassade était tellement bien d'accord parce que, au Chili, ce n'est pas toutefois projeté, et pas chez lui, dans le monde entier, ce n'est pas toutefois projeté image positive d'Haïti. Soit sur Google, ou sur Haïti, soit pour être chargé. Et pas seulement pour Chili. Donc, lui-même, il voulait projeté une image positive d'Haïti. L'homme dit positif, une image qui n'est pas dégradante. Et c'est dans ce sens le qu'il a accepté, et puis, il est venu à Haïti. Et il a des images que nous n'avons pas espérées. Images mouches, images fatras, mm -hmm. images toutes calamités. Oui, oui, oui. Mais il a dit y a 8 chapitres. Et pourtant, dans tout premier chapitre, c'est toutes les images qui sont passées. Mais ça a, a fait que un pilote s'est révolte au Chili. Et il a demandé de canal 13 d'entrer dans le documentaire. Et l'ambassadeur a été obligé de voir un lettre par les journalistes et les directeurs d'opinion direct pour te dire qu'il n'est pas ça ou te dire, et tout ça, donc, Aïssé a été senti frustré dans son spaillot parce que l'image a tellement de Et l'image, ça tout, son image qui a fait augmenter la xénophobie. Là où n'a pas passé le port au prince, et le conseil tout le pays a conçu ça, il ne fait que tuer les touristes, et puis il viennent faire que chiliens, lui-même tout, il pas parce qu'ils grand respect pour ce que qu'on doit vivre. C'est clair. Et pour 2007-là, l'économiste a été d'accord, puis dire après les États-Unis, Chili, c'est le côté qui a puis le plus grand transfert de Chili à Haïti. Et après, on a interprété plusieurs gens. 1 000 ça qui est c'est des pré Les gens qui arrivent, ils vont le tourner. C'est un phénomène comme ça, effectivement? Bon, Chili, en 2017, c'est 7,5 millions de dollars. Et je ne peux pas confirmer que 1 000 ça qui le tourner. Parce qu'il y a 1 000 il y a une équipe de l'autre qui vient arriver avec une équipe de trafic et de traite humaine. Il y a 1 000 epi lèl rive nan yè pot la li pwè nan moun li rive ban lòt moun anpò men lò la sa kapase nan yè pot chili ni finansi wèl ki ou pase ni finansi wèl ki ou pase men lò la men pa kont moun sa ou depi yò rive chili yò jen drava yò vwè l'ajan haiti pase moun nan ou mwen sil vwè 60.000 peso haiti ki preskwa 100 dolar Ameriken chakman moun ap vwè kop Donc, il ne Paris, 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 a pas de données qui justifient, qui disent c'est 000 dollars à Haïti. Parce que quand ils ne sont pas prêts à prêter 1 000 dollars, soit ils vont en terre, soit ils vont en animal qui tu as gardé, soit ils font prêt tout, et il y a d'autres qui ont offert. Mais les données, ce qui est important, c'est les jeune diaspora jeune diaspora qui commence depuis à partir de 2010. Et actuellement, est la, la, la oui, ça, est le deuxième pays à prêter, c'est le Kaboulage Haïti. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est chiffré. c'est avec le nouveau président, Sébastien Pignera, qui est-ce que nous sommes capables d'attendre Bon, nous toujours connaissons le profil président, le profil et, et politique, là, les joueurs en pile, parce que chez lui, c'est pays néolibéral, et il ne peut pas le par un politicien de droite, extrême droite, nest oui. Donc, ça qui est arrivé au juin et un profil de Trump qui voulait répéter la politique. Quelle partie nationale que ça a fait Et ça qui fait me Qu'est-ce qui s'est passé y a plus de refoulement C'est pour ça que je dis ça, parce qu'en 2012, 2012, et, et sous Pignéla, il y a eu 52% de refoulement. C'est en rapatriement haïtien. Déjà en 2012, Sébastien a été en position très dure par rapport à la oui. migration. Oui, donc il y a eu plus de refoulement. Quand il y a eu 52% de bachelor il y a eu plus de refoulement. Donc, avec les données, on a dit oui, il y de refoulement. Mais c'est en contradiction parce qu'il y a un gouvernement de droite qui a une politique de créer un emploi et puis a une politique de créer un emploi industrialiser le pays et puis a une population qui est vieille et puis a une population qui pas pour produire là difficile pour une obligation obligation pour que des obligation pour l'utiliser, les migrants au mm -hmm. qu arrivé que Soit ils ont mis en conditions qui sont pour permettre que les haïtiens ne soient pas très faibles, mais ça, c'est difficile pour les Et eh, actuellement, il y a plus de 200 000 immigrants qui irréguliers y ont demandé à migratoire. Avant okay. de pigner la montée. Donc c'est ça sou pigné la, pigné que je que sais pas là qui est sous pigner la carbine qui a pris le fondement. Peut-être que les carbines avec ça qui te fait peur en ce moment de la durée, quand on a demandé un visa pour Chili déjà pour te présenter, mais je n'ai plus d'autres pays. Les carbines fait ça, mais s'il fait ça, ça ne peut a, a pas arriver. Ils parlent augmentation du trafic humain. Mais ils ont fait en 2012 pour la République dominicaine. Quand on a dit que Dominique supposé entrer avec un visa depuis un pays, ça fait, visa, a fait que Dominique n'a pas acheté un visa pour passer par le monde. Oh. Pour augmenter le trafic des réseaux. Bon, et moi-même, toute politique extérieure il dépend des pays, il des pour décision, mais chaque décision a des conséquences, des avantages et des avantages. Maintenant, en même temps, MacIntosh mm -hmm. eh, Jean-Baptiste, il y a des Haïtiens qui vivent dans ce système non qui bien, qui même riche même, qui... Non, on va toujours joindre ça, on va toujours jouer à ça, parce que, jamais on ne Chili, parce L'autre Haïtiens, Chili, il faut, oui, parce que les Haïtiens ont une mentalité, mais pas toutes. Le fait qu'on ne pas de visa dans le pays, le fait que wou pa, wou pa paye, le pays pas cher, c'est facile, il n'y pas un bon pays. Non, mais en même temps, aujourd'hui, Chili, condition conditions de vie est tellement élevée. Chili, c'est pratiquement le seul pays dans Amérique latine qui n'a pas besoin de visa, Chilien, qui n'a pas besoin de visa an an, an, pour entrer. aux États-Unis, par exemple. Canada, ou Canada, l'autre pays, tout Et dans le même pour il y a un pays qui est intelligent. Je pense que l'éleve fait 5 ans au Chili, il y a un visa permanent, il y a une naturalisé, puis il un passeport au Chili, il pas besoin encore. Il pas que Chili, il pas besoin pays. Ça arrive. Ça, ça arrive. Donc, Si on f... marie avec un Chilien ou une Chilienne, ça va automatiquement avoir possibilité de prendre la nationalité. Oui, hein? ça va avoir la possibilité de prendre la loi pour avoir pour résidence. Nationalité ou résidence Il y a résidence après, il y a pour la nationalité, nationalité, parce que la nationalité a une autre réquisition. Okay. Donc, ça arrivé que. Ou est, ou Mais est... une seconde, une seconde. Si on a, ici a une résidence. E, eh, Chilia, ah, li, li, li pa bezo viza pou nante ou Etasuni, Baeza ou Kanada, non? Eh, non, li ka pa bezo viza, non. Oh, la ou ou pa? Li ka pa, uh, pa, li ka pa, li ka jis bezo on pèmi. Pa, Pase si okay. ou vin, ou vin preske jwi men do avèk, avèk Chilia, an. Ok. Wabèn? Dok, e sak fe wapre gen, e gen, gen migran depi apre 5 an, e yo ka vote. Yo ka vote. E sak fe, sa tou ka... Vote avèk Rizie Nostan? Hein? Oui, yo ka, apre 5 an, se gen Boupap, yo ka vote. Ah, wou. Et, et ça fait au cas tout, fait que les de Parce que les migrants ont des décisions de vote qui influencent la politique du pays. A. Mm -hmm. et donc c'est ça. je Diabatis, ce des et des orientations pour des structures organisées? Oui, depuis non seulement je vacances, mais je travaille en et je fais une de conférence et me passe dans peu pile radio-télévision, je fait une conférence pour Solidarité, pour Syndicat Haïtien. Je me suis montré le travail chilien avec le travail haïtien qui différencie qui est. Après ça, le 15 février, je me focal, je fais une conférence sur migration en jeu perspective. Je me expliqué avec des données et facteurs qui font que aller et facteurs qui attirent Haïtiens au Chili. Après ça, me passe dans... Et radio signale FM dans moment vérité. Et je pense que je vais passer pour le plat central pour le sol. Et je vais faire la Oui. Dernière question pour finir. Si tu as un message, Jean-Baptiste, ou à vous, les autorités au Cap-Gardenau, au Cap-Tadena, à Saltapier. Bon, avant de bon, vous, dernier message. Là, je voulais dire à tout le monde que la eh, décision de l'information des Haïtiens, c'est par une promotion de l'information pour la migration Haïtien-Chili. Ouais. C'est donné ok, à l'information. On -o -o, -y -e. -e -y a des gens qui veulent aller, au ne veut pas aller tout mais il faut bien former pour le pays. C'est nous avons mis ça avec le gouvernement haïtien, comme e, les flux migratoires sont conséquences d'un manque de responsabilité depuis 31 ans, nous avons déjà fait des bagages pour nous réduire, et nous avons fait des bagages pour ce qui est en Chili, nous avons joué de droits. Pour ce qui est en Chili, nous avons fait Juste bah, un bon service au niveau du consulat et plutôt bah, bah, voter des lois et, et faire des accords avec Chili qui permettent que Haïti soit... Pas accord intéressant et Michel Bach te avec nous. Oui, les, ou, avec ou, l'éducation. Oui, Mais il y a d'autres accords qui sont intéressants Par exemple, Max Satujemso, un accord pour ta été pour les Haïtiens qui ne travaillent pas avec Chili encore parce que Haïti est pour le bon. Oui. Si Haïtiens décident de venir vivre en Haïti pour jouer de pension liée au Chili, donc l'État haïtien supposé a parler avec Emil. mwen se dam chilyen yo pou yo fè an akor sou fonpansyon Aisyen yo koman sa waliye. Sa se pou sak chilyen yo, mm -hmm. men pou sak Haiti yo donk, se degaje nou met peya sou va de devlopman. Sak fe Haiti Aisyen ch chilyen, se paske yo al chache travay. Epi tou degaje nou met travay nan peya epi met ou salè minimum ki kompetisif, ki pèmè nan ka repoun avèk bezwen pasè. Ou ka met apil travay pi salè apak kompetisif nan men klamoun ale. Mm -hmm. Donk se mette travay Mettons ça à la compétitif et puis avec sécurité, avec service santé. Parce que il a pour aller pour la santé. Il y a un peu pour parce que je ne suis pas pour... assuré. Mm -hmm. Donc, il faut que nous mettions cette structure là. Il y a un peu de bagages. Donc, sur l'autre pays. Faut l'autre pays. On dit en que c'est so personnel. L'autre est une étude. Et. <coughs> 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 ça, va être, ça va être personnel. Tu as posé une idée. Bon, et comme moi, je suis citoyen du monde. Mm -hmm. E nan nipot peyi kem da arrive, m ap toujou pre pou m ede Aisyen pare, m pou m ede nipot migran, paske depi lem viv migran, paske m sou m ki sot belade, a belade a se sou fontye la, m de toujou rekomman istwa Dominika vek Aisyen ye, m al etudye se domen, m bas e Chile, m bas e Mistik, m bas so 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 e Etasuni, m wè komman bayo ye, dok m da toujou reme pou m nan sitwasyon pou m ede peyi. Soan de peyi ya, soan de yo peyi ya. M ou foye? <laughs> On va dire si on w ap tourner ni on ap Merci beaucoup, merci beaucoup et Jean-Baptiste, <coughs> c'est bien bon travail et dans euh son été tout pour objectif pour aider compatriotes ni au chez lui que ben courage. Et merci un peu Robinson Jeffra et, et merci un peu à tous les spectateurs c'est un plaisir, on vous très bientôt, et merci, je suis très satisfait. Merci. Voilà, invité nous à ce soir, c'était eh, Mackinson Jean-Baptiste de Fondation Interprétat qui est ensemble avec nous là, qui tape eh, ben nos réalité yo, de Haïti à Chili, comment les compatriotes nous ont fait traverser et comment ils ont Intégré au. Merci. à même que tu as suivi l'émission Haïti, ça Merci à staff technique-là. avons passé Rendez-vous en notre pour une autre pour l'autre sortie. Haïti, ça